Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 1. Donc on va commencer tout de suite la campagne de ce dernier Battlefield, voir un petit peu qu'est-ce qu'il a dans le ventre. J'ai pas du tout commencé, donc tu me balances là-dessus, normal, oui. Hop, allez. Je sais pas du tout ce qu'il en retourne là-dessus. Ça va aller, je vais t'aider. C'est encourageant tous ces petits messages. On est encerclé! Il faut tenir cette ligne! Voilà, on va pouvoir commencer. Toujours aussi magnifique. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un pistolet et une mitraillette. Putain, je peux pas courir. Ils arrivent! Les voilà! Non plus dans le pistolet. Bien là. Un peu en mauvaise posture de point de vue. Je suis au ralenti. Tenez bon.
Aïe aïe aïe. Conservez votre position. Connard. Il est où? Aïe aïe aïe, 7 points de vie. Oh lolo. Otto Johnson. Nous venions du monde entier. Non, je suis crevé. Pensant que cette guerre serait notre rite de passage. Notre grande aventure. Laissez-moi vous le dire. Ça n'avait rien pour l'aventure. D'accord, j'étais obligé de crever. Quel choc ! Envoyez-leur du plomb ! Gaffe sur le flanc gauche ! Putain de dirigeable. C'est pas bien que j'ai. Non, non, ça plaît là. Tu veux que je fasse? Oh putain de merde. Je veux m'enfuir. Je peux pas rester là-dedans. Merde, c'est un allié ça. Putain, je prends plus rien à ce qui m'arrive. Attention aux fenêtres. Oui, oui, c'est bon. Je sais que normalement je dois mourir là. Mais j'ai pas envie. Attention aux fenêtres. Oh, le lance-flamme se calme. Ah putain. J'ai envie de rester le plus longtemps possible. Aïe. Merde! Peut-être que je survive là par contre. Ah non. Attends, il avait que 18 ans. De nouvelles machines de mort, comme les chars, ont modifié la guerre du jour au lendemain. Heureusement, la plupart étaient dans notre camp. La plupart. Fogas s'en fait déborder à l'église! Il faut avancer! L'infanterie compte sur nous! Ça, Pierre, toi. Wow, ils nous font montrer tous les aspects du jeu là. C'est assez particulier. Arrête cette mitrailleuse! Balayez le sol! Continuez, pilote! Allez, on commence. C'est un autre pilote là-haut! La map est belle. C'est par terre que ça se passe! La map est vraiment belle. Ils arrivent depuis les tranchées! À la mitrailleuse! Achetez-les! Oui! On les a mis en fuite! Continuez! En avant! Pour le roi et la patrie! Fuirez pas! On va renvoyer les Boches à Berlin! Peut-être dû le laisser. Il n'avait rien demandé. Attention! Le canon l'a eu! On fait une cible de rêve pour cette chose! En avant, pilote! Faites le tour! Si vous arrivez à viser ce foutu canon de campagne, détruisez-le! Ok. Ah, on écrase les gens là. Accrochez-vous! On y va! Oh putain! Un canon! Tiens! Ça. Où le canon? Ah,
il y a. Détruisez ce canon. Bon travail. T'avais pas vu quoi. Ouvrons le chemin à nos gars. Yep. Rejoignez le reste des chars. Ouais, c'était l'anti-aérien là-bas là. C'est quoi qu'on a vu? Restez concentrés, soldats. Toujours. En avant, mon dieu. Trop petit. On approche du but. Tirez sur tout ce qui remue. Ah, sur la cinématique, on voit. On voyait que je tirais. Avec le changement de caméra. En guise d'aventure, nous avons connu la peur. Bon, on est mort, c'est pas cool. Mais... Car à la guerre, nous sommes tous égaux devant la mort. Oh putain. Chargez ! Tenez à tout prix. Taguer ou vous tenir là ? Le dirigeable tombe. Ah oui. Dirigeable tombe. Tenir ou attaquer là? Wow, putain, je vois rien. De toute façon, si j'ai compris, on joue des personnes qui doivent mourir. Ça, c'est pas le plus vieux, ça qu'on a vu. Tué par sa propre partie quoi. Ah non, je suis pas mort. Il pousse. On pousse. De temps en temps, on pousse assez fort pour que la lumière perce à travers les nuages. Et on voit briller un monde au-delà de la guerre, juste hors de portée. La guerre est le monde, et le monde est la guerre. Mais derrière chaque viseur, il y a un être humain. Nous sommes ces gens. À la fois blasés et naïfs. À la fois hommes d'honneur. Et criminels. Nous sommes des légendes à venir et des oubliés de l'histoire. Nous sommes les chevaliers des cieux, les fantômes du désert et les rats dans la boue. Voilà nos histoires. Ils apportent très très bien le truc là. Ça te met bien dans l'ambiance dès le début. Les soldats afro-américains, terminé le lever du soleil. Donc je pense qu'on a fini la première étape. Ok, j'ai même pas vu le truc arriver. Ok, ouais, ça c'est la carte du monde. La guerre s'est étendue au monde entier. Vieux empires et nouveaux mondes. Vieilles méthodes et idées nouvelles. Toute l'humanité a combattu. Pour la liberté, les traditions, l'orgueil national. Le progrès, les valeurs éprouvées, la voie nouvelle. 100 grandes idées nous ont amenés à faire la guerre qui devait être la dernière. Et le monde a viré au rouge. Alors, j'ai fait ça. Donc les Afro-Américains. Et après je ferai ça. J'ai l'impression qu'on peut faire en fait un peu dans l'ordre qu'on veut. Mais bon, on va suivre l'ordre classique, hein, les Britanniques.
Qu'est-ce qu'on a? D'autres Britanniques. Des Italiens. Deux Américains, je sais pas trop trop trop. Et là, les Ottomans. Voilà. Donc on verra ça la prochaine fois. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et bye bye.